Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une vidéo, donc cette fois-ci encore pour une page. En réalité, c'est une page d'un album qui est sur le thème de ma filleule. En fait, sur cette page, j'ai beaucoup travaillé sur les tampons, enfin sur tout ce qui est tamponnage, etc. Donc là, je vous montre une encre, mais en réalité, je vais pas utiliser celle-ci parce que, en fait, elle était sèche et ça donnait pas forcément terrible. Donc en fait, je vais l'utiliser juste pour la bande que je fais et ensuite je vais changer d'encre. Et en fait, là, je galère déjà. En fait, je sais pas si vous voyez, mais en fait, je galère à mort pour bien tamponner. Donc là, je vais donc tamponner ce motif tout le long de ma page, donc au niveau, enfin à l'horizontale, on va dire. Et donc, au niveau des autres encres que je vais utiliser, enfin de l'autre encre, ça sera également du rose et je vais rester uniquement en fait sur des tamponnages de couleur rose. Pour la suite, je vais prendre un autre tampon, donc d'une planche arabesque. Ne me demandez pas la marque des tampons parce que là j'en ai aucune idée. Et donc là je vais tamponner. Donc là j'ai placé ma photo. Vous pouvez constater que je l'ai déjà matée avec un papier rose foncé. Donc voilà l'encre que je vais utiliser. Donc c'est ma Colorbox rose. Et donc là j'ai placé ma photo pour voir un petit peu où placer mes tamponnages par la suite. Donc là je vais utiliser ce tampon. Donc là ça vient d'une planche que j'avais trouvée sur AliExpress et donc je vais tamponner ce motif à deux reprises, donc ici et puis ensuite sur le bas à gauche de ma page. Donc comme je l'ai précisé tout à l'heure, j'ai toujours utilisé la même encre. Donc là, je vais utiliser donc toujours un autre tampon, donc là un motif plutôt fleur. Et je vais le tamponner à côté de celui que je viens de faire. L'idée étant que je voulais faire un petit motif à base de fleurs sur le bas de la page. Donc voilà, l'idée c'était aussi de compléter un petit peu ma page parce qu'elle est un petit peu vide. Donc là, je vous montre, donc c'est de l'encre Easing que j'ai diluée avec de l'alcool ménager. Donc c'est la couleur Orchid. Donc c'est toujours un espèce de rose rouge. Moi, il est quand même pas mal dilué. Donc en fait, sur ma page, ça fait quand même assez rose et pas très rouge. Et puis, c'est une couleur qui a la particularité d'être un peu irisée. Donc là, je rajoute encore une fois un tampon dans ce que je venais de faire. Donc en fait, c'est un papillon. Et là, je vais rajouter en fait cette arabesque sur encore le bas de la composition que je viens de réaliser. Et comme vous pouvez le constater, j'utilise toujours mon encre rose Colorbox. Encore une fois, vous voyez que je prends un tampon arabesque. Donc là, je vais compléter cette fois les tamponnages qu'il y a sur la droite de la photo. Donc là, je vais utiliser l'espèce de S. Et vous allez constater par la suite que je vais le compléter, en fait, ce motif, avec un petit zibouboui, une petite spirale. Voilà, je vais y arriver, pour compléter mon arabesque. Donc là, je vais prendre sur cette planche qui vient de chez Action le tampon papillon. Et donc, je vais le tamponner donc, toujours sur la droite de ma photo. Donc, pour compléter un petit peu l'ensemble de tamponnage que j'ai réalisé. Alors là, je vais passer au collage de la photo. Donc, comme à mon habitude, je vais prendre mon double face, puisque je trouve que c'est plus propre et le plus pratique pour coller la photo. Encore une fois, je vais prendre un tampon donc de cette planche. Donc là, j'ai pris l'expression petite canaille que je vais donc tamponner. Alors toujours avec la même encre, la Colorbox rose, et je vais venir le tamponner en fait sous ma photo. Donc
Donc là, je vais rajouter du masking tape. Donc je vous montre le masking tape après un petit peu plus en détail. Donc je vais en coller de deux types. Donc là, vous voyez, donc c'est des motifs arlequins, on va dire, donc dans les tons rose, rose foncé. Et donc là, j'ai un petit morceau. Donc ça vient d'une autre bande de masking tape. Donc là, c'est du rose avec des papillons. Et donc voilà, je vous les montre un petit peu plus en détail. Vous voyez que la largeur n'est pas la même non plus. Et donc ensuite, je vais rajouter un petit sticker qui vient également de chez Action. Et toujours dans les tons roses. Donc là, pour écrire mon titre, Smile, que vous allez, je tamponne toujours avec la même encre hein, pour pas changer. Et donc, je vais le tamponner sur le haut à gauche de ma photo. Donc pour lui donner un petit peu plus de relief, je vais prendre en fait, vous allez voir après, hein, mais je vais prendre un crayon rose, rose foncé, enfin qui est rose violet on va dire, et je vais ajouter comme des petites ombres sur mes lettres, de manière à faire ressortir un petit peu plus le titre, parce que là je trouvais qu'il ressortait pas vis-à-vis de tous les tamponnages qu'il y avait sur ma feuille, je trouvais que le titre ne ressortait pas assez. Donc en fait c'est le crayon que j'utilise avec lequel je vais rehausser les lettres. Et donc dans un premier temps, vous pouvez constater, j'avais oublié, je fais un cadre avec un double trait sur l'ensemble de ma page. Alors pour la suite, je vais rajouter un petit tampon en dessous de mon titre. Donc le tampon, voilà la toute petite flèche. Je vais le rajouter en fait sous mon titre. J'aime bien ce petit motif parce qu'il reste tout à fait discret. Et je trouvais que ça complétait un petit peu mon titre. Alors comme vous pouvez le constater, donc je vais prendre ce petit cœur, enfin ce tampon en forme de cœur, tout simplement parce que sur mon titre Smile, il n'y avait pas le point sur le i. Et bien que je sais que c'est des majuscules et on ne rajoute pas forcément le point sur le i, mais moi j'avoue qu'à chaque fois ça me dérange un peu, j'aime pas. Donc j'aime bien rajouter ce fameux point. Donc comme j'avais pas forcément dans mon alphabet ce dont j'avais besoin, j'ai tout simplement fait la parade d'utiliser un autre tampon qui pouvait faire office. Donc là, comme vous pouvez voir, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait sur mes lettres, donc en rajoutant une petite ombre. Donc là, je vais prendre ce tout petit tampon, donc toujours une espèce de cœur avec des arabesques, et je vais le rajouter donc ici au-dessus de ma photo, et je vais également le rajouter dans les tamponnages que j'ai fait donc sur le bas à gauche, juste pour compléter, voilà un petit peu, et puis. Voilà, je trouvais que c'était bien aussi de rajouter un tout petit peu, ça reste assez discret. Donc là, je vais utiliser ce crayon rose, donc c'est un rose métallique, pour ajouter en fait une fausse couture autour de ma photo.
Alors pour terminer, je vais prendre mon encre Easy Ink, donc cette fois-ci je la prends pure. Je vais juste rajouter en fait trois petits points en haut à gauche et en bas à droite. Donc voilà, donc ma page arrive à sa fin. Je vous mettrai des photos en fin de vidéo pour plus de détails. J'espère que cette page vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!